Ah là, là là, en fait la première chose euh, choquante, alors je pense que c'est pareil un petit peu dans le monde entier. Apparemment, il y aurait dans le monde, sur la planète, sur la galaxie, sur l'univers, 90% de gens cons et 10% de gens intelligents. Mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit hier, les 90% de cons vont croire et croient qu'ils sont dans les 10% d'intelligents. Donc, c'est pas grave. Alors, déjà, même quand un média qui a une forte influence, qui a des millions d'abonnés, sort une info, il faut regarder tous les aboutissants, tous les arguments, toutes les analyses, tous les détails. Parce que même les plus grands médias se sont trompés. On se rappelle de Fabrizio Romano qui avait annoncé que Lionel Messi, en 2021, allait prolonger au FC Barcelone juste avant le mois d'août. Une journée après, Lionel Messi annonçait qu'il quittait le Barça, qu'il ne prolongerait pas, et deux jours après, il était au Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano avait aussi annoncé que Neymar allait quitter le Barça en 2019 allait quitter le PSG, excusez-moi, en 2019 pour retourner au FC Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé Neymar est resté. Et à l'arrivée, Neymar a prolongé. Voilà. Il avait annoncé aussi que Messi allait prolonger au Paris Saint-Germain. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et pourtant, Fabrizio Romano est une référence dans le monde du mercato. Et il n'y a pas que lui. Dimardio aussi avait annoncé beaucoup de bêtises. PSG Community, l'année dernière, avait inventé que Mbappé... Irait au Real pour toucher un maximum d'argent sur Twitter, maintenant qui est X, parce qu'il faut rappeler maintenant que Twitter monétise les tweets. Et Foot Mercato hier soir a fait exactement la même chose. Et en plus de ça, il surfe sur la vague. Parce que la presse anglaise hier soir annonçait que Mbappé avait refusé l'offre du Real Madrid. Ça, c'est la presse anglaise. Après. Comme par hasard on en parle, Foot Mercato a été bête et aurait dû peut-être attendre quelques jours, voire le 15 janvier, pour annoncer cette info. Mais quand vous lisez l'article de Foot Mercato, il n'y a aucune information. C'est juste une déduction. C'est pile ou face. Ils ont tort ou ils auront raison. Et s'ils ont tort, ils sortiront quelque chose du genre Mbappé fait volte face, comme l'a fait PSG Community, mais au moins PSG Community ont reconnu leur erreur. Est-ce que Foot Mercato fera pareil Je ne sais pas. En tout cas, dans l'article de Foot Mercato, on ne parle pas du salaire que pourrait toucher Mbappé au Real Madrid. On ne parle pas de la prime à la signature que pourrait toucher Mbappé. On ne parle pas des droits d'image que pourrait toucher Mbappé. Dans l'article de Foot Mercato, ils disent juste que Mbappé va signer au Real Madrid. Mais aucun détail, aucun aboutissant, aucun argument, aucune analyse. Et là, qu'est-ce qu'on apprend Aujourd'hui, bah déjà, Marca a répondu, et pourtant Marca, Média pro-Madrilène. Hein. Normalement, Marca aurait dû être content de l'info de Foot Mercato. Marca nous annonce qu'à l'heure actuelle, euh, le Real Madrid n'est pas du tout pressé, qu'en fait, il n'y aurait pas d'ultimatum. Et qu'en plus de ça, le Real Madrid n'a fait aucune offre à Kylian Mbappé et à son clan. On apprend aussi qu'au Paris Saint-Germain, on assure ne pas avoir été mis au courant d'une quelconque décision prise pour Kylian Mbappé. Les dirigeants s'attendaient et s'attendent toujours à être les premiers au courant de la décision du joueur. Paris est très vigilant. Au club, on sent que ces remous médiatiques n'arrivent peut-être pas pour rien. Mais surtout, l'information principale, et là, c'est le clan Mbappé lui-même qui en parle. L'entourage de Kylian Mbappé qui nous dit, il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Donc voilà, donc déjà euh, la presse maintenant c'est devenu complètement n'importe quoi, et je pense que même vous, si vous êtes assez intelligent, vous pouvez vous faire votre propre euh, informateur. À l'arrivée, tout ça n'est que du buzz. Parce que les médias ont besoin de vivre. Les médias ont besoin d'argent. Et les médias tentent leur coup. Il y en a qui auront eu raison. Il y en a qui auront eu tort. C'est comme l'année dernière, tout le monde annonçait que Mbappé allait partir. Et le parisien, quelques semaines avant que Mbappé prolonge, en 2022, le parisien avait annoncé que Mbappé allait prolonger. Et c'est Mb... le parisien qui a gagné. Donc c'est toujours pile ou face à l'arrivée. C'est une chance sur deux. Mais voilà, comme vous le savez, euh, moi j'ai fait déjà mon propre, ma propre analyse depuis maintenant plusieurs, plusieurs mois. Et quoi qu'il en soit, euh, la presse pourra dire ce qu'elle veut pendant le mois de janvier, février, mars, avril, voire mai. Mais comme je vous l'ai dit, aucun être humain ne peut diviser son salaire par quatre. Aucun être humain ne peut diviser par deux ses droits d'image. Admettons, je vous pose une question. Imagine-toi imagine derrière ton écran, tu travailles chez Dior et Dior te paye 1 million d'euros par mois. Mais Louis Vuitton te contacte. Louis Vuitton te contacte, te propose le même poste, avec peut-être même plus de responsabilités, mais Louis Vuitton te propose 250 000 euros par mois. Alors que tu touches 1 million d'euros. Vas-tu accepter l'offre de Louis Vuitton? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et en plus, on vient d'apprendre euh, de nouvelles informations sur la clause libératoire de Erling Haaland cet été. On pensait que c'était 150 millions d'euros pour les clubs euh, étrangers et 200 millions d'euros pour les clubs anglais. Bah apparemment, ce serait 100 millions d'euros pour les clubs étrangers et 200 millions d'euros pour les clubs anglais. C'est-à-dire que Erling Haaland est peut-être disponible cadeau cet été. Erling Haaland disponible pour 100 millions d'euros. Je confirme que le Real ira plutôt sur Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé et je pense très clairement que Haaland va aller au Real et que Perez ne veut même pas de Mbappé à l'heure actuelle après tous les râteaux, tous les vents, toutes les bananes qu'il a pris et n'oublions pas pourquoi Mbappé aurait fait tout ce cinéma pour virer Neymar, Messi, Paredes, Verratti pour amener ses potes. Français de l'équipe de France, Colomboani, Théo Hernandez, Barcola et d'autres. Il a ramené tous ses potes. Pourquoi faire tout ce pataquès pour aller partir après Donc voilà, c'est n'importe quoi. Euh, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. À moins vraiment qu'un club, un autre club, euh, propose les mêmes émoluments euh, que le Paris Saint-Germain. Mais à l'arrivée, Pérez est très intelligent. Pérez sait très bien combien touche Mbappé comme salaire au PSG et Pérez ne va pas arriver avec une offre de 26 millions alors que Mbappé en touche 72 et potentiellement 75 l'année prochaine s'il prolonge, avec des primes de fidélité qui peuvent aller jusqu'à 200 millions d'euros pour cette saison et l'année prochaine. Pérez n'est pas ridicule. Pérez n'a pas proposé à un joueur de diviser son salaire par 4, sachant que Pérez sait très bien que le joueur va refuser. Donc voilà, vous voyez toutes les informations défiler, et la preuve en est que Mbappé n'a aucun accord avec aucun autre club, et que d'ici quelques mois, Mbappé prolongera son contrat avec le Paris Saint-Germain, sûrement jusqu'en 2026 ou 2027. Voilà. Tchuss.